Yo les rageux, c'est Skepticraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Subnautica. Dans le 4, nous avons fait ce petit Seamoth, le petit sous-marin à une personne, qui va nous permettre de pouvoir l'explorer de grosses distances et aller beaucoup plus profond, sans devoir perdre trop d'oxygène. Et donc les amis, ce que je pensais, c'est pour cet épisode que nous ayons là-bas le Capitaine Keen, à 1100 mètres d'ici et à 300 mètres de profondeur. Mais je ne vais pas y aller évidemment sans rien du tout, parce que comme vous pouvez le voir, il a de l'alimentation. Et de l'alimentation, il va falloir éventuellement, que je recharge de batterie haute capacité, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, ici. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne une batterie haute capacité de rechange et des piles pour mon Seaglide qui n'est déjà presque plus chargé. Il lui reste déjà 30%. Donc je crois que j'ai déjà la pile. Non, je n'ai pas la pile. On va aussi se faire de l'eau et de la nourriture pour être sûr d'être large. Non, c'est pas ici, c'est ici. Matériaux de base, lubrifiant. Ah, c'est pas ça, non, je voulais faire de la javel. Merde. Je me suis trompé, c'est pas grave. On va aller stocker ça ici. Tac, 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 tac. On va aller se faire de la bouffe, les amis. Hop. On va vraiment voyager léger. Donc là, je vais chercher, les amis, du poisson, de quoi faire de l'alo. Et on se retrouve après. A tout de suite, les amis. Ok, les amis, ça a été très long, croyez-moi. J'ai dû aller chercher des dépôts de sel pour pouvoir assécher la nourriture. J'en ai fait de la quitte, comme ça je me suis mis vraiment au maximum partout. J'ai quand même perdu quelques PV à cause des explosions. Des petits poissons creepers. J'ai une pile de rechange pour mon Seaglide qui n'est plus qu'à 10%, les amis. Et je me suis dit, la batterie haute capacité, tant pis. Je vais prendre le risque de ne pas la prendre. Je pense que ça devrait tenir quand même pour l'aller-retour. Je vais stocker en attendant le reste. Ah bah, je peux stocker que ça. On va vraiment éviter de mourir. Et les amis, on va partir pour l'exploration. L'exploration, les amis. Le Seamoth est là-bas et on va aller là-bas. Allez. Que la force soit avec nous. Let's go, les amis. Du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse quand même une petite ellipse. Parce que je pense que le trajet va être long. Regardez, 1000 mètres. Donc, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Allez, à tout de suite, les amis. Oh, et juste quand je pars, il y a un appel sur la borne d'urgence. Tant pis, on ira après. J'ai déjà bien assez loin. Les amis, on y est quasiment. Et regardez, ça descend très très bas. Et mon Seamoth ne peut descendre que jusqu'à 200. Qu'est-ce qui se passe si je descends au-delà? Et la musique, les amis, l'ambiance sonore vient de changer drastiquement. Incroyable. Il fait super noir, les amis. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Attends. Ma coque subit des dégâts. Non, j'ai pas envie de casser le Seamoth. On est à la limite, les amis. Il faut que je la répare. Les amis, on va être obligé de descendre. D'y aller d'un coup. Waouh, mais quel est cet endroit? C'est trop profond. Les amis, il faut que je remonte parce que j'ai trop traîné. 8% le Seaglide. Petit coup de lag, désolé. Donc là, je suis vraiment à la limite. Je descends vraiment à la limite. Voilà. Là, je suis à la limite. Donc les amis, je descends et je cours. Il y a plein de fragments là-bas. Vous croyez que je peux trouver des choses plus intéressantes? Si jamais je peux trouver d'autres armes, par exemple, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est quoi? Combinaison Brown. Oh, qu'est-ce que c'est? 1 sur 2. D'accord. Ici. C'est rien. Fragment de chambre d'immersion. Ça, je crois que c'est pour se faire des bases. Ah ouais! Ça, c'est rien du tout.
Centrale thermique. Il y a beaucoup de fragments. Je pense qu'on peut les trouver qu'ici, les amis. Ok. Je pense pas qu'on peut trouver ça ailleurs, donc... Il y a rien ici. Rien ici non plus. Rien ici. Bureau, on prend. Et à côté, c'est quoi? Pas scanner. C'est quoi ça? Un truc d'urgence, mais qu'on ne peut rien faire avec. Ça, c'est fermé. Oh merde! Je suis mort. Non! Non! J'ai pas vu que j'étais si loin! Je suis trop con! J'ai pas pris assez mes précautions, j'aurais dû approcher le Simos. J'espère que j'ai pas perdu mon Seaglide, s'il vous plaît. Parce que ça va... Oh, j'ai mon Seaglide. Vous êtes mort. Mais oui, je suis mort. Et j'ai perdu quoi? J'ai rien perdu dans mes outils. J'ai ma pile. Ma bouffe. J'ai rien perdu. Maintenant, il va faire... Bon. On va regarder le message d'alerte. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Wow! Le Sunbeam va venir me chercher! On va être sauvés, les amis, alors. Mais... Le truc, c'est que je dois retourner. Je dois retourner là-bas, à la nage, avec le Seaglide. Ellipse, à tout de suite, les amis. Ok, re, les amis. En fait, on est parti derrière l'Aurora. Mais je suis juste en dessous. Il faut que j'y aille en piqué. Et il faut que je me dépêche avant d'être à court d'oxygène. J'espère que je vais pouvoir y arriver. C'est tellement bas. Là, je vais pointer direction le Simos. Et je ne peux même pas voir le fond, les amis. C'est effrayant. Passing 100 meters. Là, elle va aller deux fois plus vite. J'ai déjà dû changer de pile pour mon Seaglide. On voit enfin le fond. Ok. Je vais reprendre mes précautions cette fois. Welcome aboard, Captain. Je vais me rapprocher. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Voilà. Allez, c'est parti. On va optimiser notre temps. On va économiser le Seaglide dès qu'on le peut. C'est quoi ça? Ouvrir boîte de données. Console d'amélioration de véhicule? Oh génial! Qu'est-ce qu'il y a rien? On va vraiment surveiller l'oxygène, les amis. Ça part plus vite quand même. Beaucoup plus vite. Ça, j'en prends pour la bouffe à l'avenir. C'est quoi ça? Centrale thermique, on l'a pas déjà par hasard? Ah! Ok, le Simos! Garde ton calme, Skippy. Garde ton calme. Oh mon dieu! C'est hostile! J'aime ça. Donc, je pense pas qu'il y a encore des fragments en vue. Donc les amis, on se dirige vers la capsule de survie maintenant. On va se rapprocher, là-bas il y a encore peut-être des choses. C'est là-bas l'entrée de la grotte en fait. Voilà. C'est celle-ci les amis. Je suis à la distance maximale. Vous êtes prêts? C'est parti. On espère y arriver. C'est quoi ça? Ruby? Ça doit être super rare ça. On y est! Comment elle a pu tomber si bas par rapport... Oh, PDA! Yes! Journal de bord du capitaine. Encore un autre PDA? Oh. Il y a trop de trucs les amis, je remonte. Attends. Plomb. On va échantillonner quelques ressources. Œufs de créature, je sais pas ce que c'est, je prends. Ok, on va pas aller par là.
Mais du coup, si j'ai la borne d'amélioration pour véhicule, je pourrais améliorer mon Simos pour qu'il descende plus bas alors. Ça me semble logique. Il est où le Simos? Les gars. Il est là. Oh, j'ai eu peur. Ok. Les amis, on a réussi. Et donc les fameuses données, emplacement proposé de base du Degassi. 250 mètres de profondeur et à 1000 mètres d'ici. Je vais aller voir là-bas ce qu'il y a. S'il n'y a pas des choses à scanner. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose. On retourne au Simos. On va regarder un peu les enregistrements. Qu'on vient d'avoir. Alors, journal vocal. Ça, on l'a fait. Données téléchargées, survivants de l'Aurora. Ça, c'est le journal de bord du capitaine. J'étais forcé d'évacuer. Vous avez pour ordre de ne pas tenir compte de ma sécurité. Tenter d'atteindre les coordonnées de regroupement fixées sur l'île la plus proche. Et là? Ok, on a un vocal. Keen, this is Aurora, come in. This is Keen. Light pod detached to a cave planet fall in 30 seconds. The computer has identified a landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! Waouh, les amis! Donc en fait, ils étaient en train de nous contacter pour venir nous sauver pendant que l'Aurora était en train d'exploser. Donc le capitaine est sûrement mort, je présume. Mais du coup, les amis, si on va là-bas, on va essayer d'avancer un peu dans l'histoire, les amis, aujourd'hui. Ou bien, est-ce que je vous mets la hype pour le prochain épisode et vous avez un épisode plus court? On va déjà rentrer à la base, les amis. On va aller mettre nos nouvelles ressources et on va faire le point. À tout de suite. Ok, les amis, on est rentré à la base. Sain et sauf. J'ai usé quand même seulement 10% de batterie sur mon Simos. Donc ça tient bien, la batterie. Donc pas de panique. Donc je vais aller stocker le rubis et tout ça, parce que ça a l'air super rare, ça, je crois. Ah ouais. Bon, et bien, du coup, écoutez, les amis. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre dans cet épisode, à part commencer un nouvel arc de l'histoire, on va dire, là-bas. Point de rendez-vous de l'Aurora, terre émergée, à 1208 mètres d'ici. Et on a perdu l'autre coordonnée, alors, encore une fois. Ah, la poisse. Eh bien, écoutez, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce magnifique jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu, comme ça vous serez aussi au courant de quand est-ce que sortira le prochain épisode. Et maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Skippycraft et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.